Bienvenue au musée Opale Sud à Berck-sur-Mer. Je viens de vous emmener dans un endroit un peu particulier qui n'est pas ouvert au public habituellement, car si nous avons un jour parlé des réserves visitables, il y a des réserves non visitables, et dans celle-ci particulièrement, des armoires, deux grandes armoires en métal, qui, fermées donc ici, ont à l'intérieur du matériel qui n'est pas présenté continuellement au musée. Parce que ça fait partie d'expositions temporaires, comme les petites statuettes d'Eugène Blot, mais aussi dans ces tiroirs du matériel qui provient de fouilles archéologiques nombreuses ici stockées au musée, comme par exemple celle de Dompierre-sur-Authie, avec du matériel gaulois et gallo-romain, où on retrouve par exemple cette épée qui a été restaurée, mais aussi les restes sans doute d'un orgue gallo-romain, chose assez rare, un peu dans son état original quand on l'a retrouvé, à peine restauré, mais qui permettra, à la suite d'une étude, de mieux comprendre comment fonctionnait ce matériel. On trouve aussi des choses un peu plus récentes, enfin quand je dis récentes, forcément, on est là dans du matériel mérovingien, d'autres épées, elles-mêmes stabilisées. Une restauration qui là est beaucoup plus légère, mais qui permet ainsi de conserver ces grandes épées de la calotterie. Et puis, on va trouver un peu plus bas encore, par exemple, du matériel qui lui remonte au siège de la ville d'Hesdin, à Grigny, nous en avons parlé avec le calice. Et ce matériel ferreux qui a été retrouvé donc dans la rivière la Ternoise. On en trouve différentes choses, dont par exemple ici cette pointe assez particulière, cassée, donc sans doute jetée pour l'effet dans l'eau. Mais le métal s'est bien conservé directement dans l'eau. On a fait un léger traitement dessus de manière à pouvoir mieux le conserver aujourd'hui. Un autre élément, comme cette faucille. Et puis parmi tous ces sachets, vous devinerez une clé. Vous devinerez des instruments de musique, bref, beaucoup d'autres choses que nous pourrions mettre en valeur dans d'autres expositions. Ça sera sans doute l'occasion, à un autre moment, de nous monter une nouvelle exposition autour de différents thèmes qu'on a encore dans ces vitrines. À bientôt au musée Opale Sud.